Il y a un truc là-haut. Il y a 3 ou 4 oiseaux en train de manger des graines. On dirait des toucans Ariel. Il me semble que je vois la barre rouge à travers de leur corps. Ils sont loin, loin, loin. C'est un planeur, le gros papillon du monde.
Je suis au bord de la crique, sur un banc de sable, mais un peu retrait dans le bois. Il y a un planeur qui vient de se poser. Il était immense. Chaque aile était grande comme ma main. Et c'est un peu la panique pour le filmer. Et puis j'ai réussi à faire quelques images, pas grand chose. Et au moment où il s'est envolé, il y a un oiseau qui passait à toute vitesse, qui essayait de le choper au vol. J'ai pas vu qu'est-ce que c'était comme oiseau. Et le planeur a plongé, il a fait un écart, puis il est parti. Ah, c'est super beau.
Ça ressemble pas à un plica-plica, hein. Mais ils sont tellement belliqueux, ces couillons. Quand il est parti, je faisais comme ça. Alors, comme quand il secoue la tête comme ça. Et quand il est venu voir, il est passé dans mon dos. Il est venu à un mètre de moi. Alors que c'était des animaux très peureux. Et en faisant ça comme ça, il pensait que c'était un autre mâle qui... Je fais gaffe de pas me faire bouffer. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a quatre griffes. Et puis une sorte de coussinet derrière. Voilà, le couteau fait 9 cm de large. C'est quelque chose d'assez énorme. Voilà le couteau. Voilà ma main. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça deux ou trois jours, j'ai jamais vu ça. On dirait un ours, je crois. Donc voilà la caméra numéro 2. Oh, je suis envahi par les moustiques et puis les guêpes de blanche. Bon, on n'a pas l'air d'avoir souffert non plus. On va voir tout de suite.